Bonjour à vous tous et toutes. Dans Samedi en plus, aujourd'hui, on parlera notamment de solidarité et d'initiatives, comme par exemple la création d'une maison des jeunes à Beaurain, ou encore du lancement d'une ligne de vêtements autour du thème de la Belgitude. Et pour cela, on ira à Gembloux. Mais dans l'immédiat, on vous parle d'une formation Horeca. Depuis peu, en effet, des formations Horeca se déroulent dans un vaste centre hôtelier de Oufalize. Des formations Horeca pour les personnes bénéficiant du chômage, c'est ce que proposent le centre Horeca Formation et le Forem jusqu'en novembre. Ici, à Vallemundo, Oufalize, ce sont 8 personnes qui se sont lancées dans l'aventure. Le but, disposer de l'accès à un secteur en demande de personnel qualifié à travers 320 heures d'apprentissage suivies de 240 heures de stage. Pour partir sur un beau rectangle, les rognures, ben ici, il n'y a pas de souci, on va s'en servir pour le potage. On commence par les bases. Donc ici, les apprenants ici ont 3 jours de formation. On apprend d'abord les découpes des légumes, les cuissons, on apprend les potages, et puis les cuissons mixtes, et puis on passe sur des cuissons à les sauter. Et suivant les groupes, on peut même passer à parfois des cuissons basse température. En salle, ils apprennent la pâche, le service simple, le service complexe, le service du vin. Maintenant, on va même inclure l'année prochaine dans les formations en salle le barista, le thé, le BSB, donc mon service de la bière. Donc c'est vraiment des formations complètes. Ils ont aussi un certificat de sécurité, de première intervention en incendie et de l'AFSCA. Et là, on va fournir un certificat sectoriel à la fin de la formation. Un certificat qui débouche généralement sur 80% d'insertion professionnelle, un taux non négligeable qui a intéressé ce centre hôtelier de Oufalize dans l'accueil de ses formations. L'intérêt numéro un, c'est de pouvoir accueillir par après du personnel formé avec vraiment les bases de l'Horeca, parce que c'est vraiment compliqué ici actuellement de trouver des personnes qui ont un diplôme. Voilà, on a des gens qui viennent de loin, des gens qui arrivent et qui ne savent pas du tout ce que c'est l'Horeca. On pense que c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est un problème général de trouver des gens formés dans l'Horeca? Je pense que c'est général, mais dans la province de Luxembourg encore plus, parce qu'il y a la mobilité, les horaires décalés, font que bah oui, 2 heures de pause après-midi, si on habite à 25-30 km, faire les allers-retours, c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment un frein au métier. Qu'est-ce qu'on peut déjà voir en premier lieu, on va vérifier quoi? Un métier que les participants ont décidé de découvrir par passion ou par curiosité. Je fais le choix de participer à cette formation parce que je suis une passionnée de la cuisine. Voilà, j'adore faire la cuisine et j'aimerais avoir une base de la chose en fait. En fait, moi je viens d'un secteur tout à fait différent, je suis dans l'administratif, j'ai travaillé 10 ans là-dedans et j'ai vraiment envie de changer d'orientation, de découvrir de nouvelles choses. Et on a la chance d'avoir un grand centre ici comme Vallemundo, donc voilà, je me suis dit je suis de la région, j'habite Oufalize, on m'a donné l'opportunité de travailler dans un grand centre comme ça, donc voilà, je suis venue pour découvrir de nouvelles choses. Alors il faut que tu mettes la pointe vers le couteau. Malgré les portes que peuvent ouvrir ces formations, le taux de participation en province de Luxembourg est très faible, si faible qu'une section du même genre a dû être fermée dans la région de Durbuy. Un phénomène que n'expliquent pas les responsables, mais qui ne les empêche pas de transmettre leur amour d'un service de qualité. On fait connaissance à présent avec un boulanger qui fabrique du pain au levain à l'ancienne avec des farines bio. Mais il n'est pas seul. L'atelier où il travaille est partagé avec d'autres artisans boulangers. 3 boulangers, 3 sortes de pains différents. Comme chaque mardi et mercredi depuis un petit mois, Gauthier Nissen occupe l'atelier de boulangerie de la ferme des Tioux. C'est un habitat groupé, une communauté installée à Porcheresse dans la commune d'Avlange. Particularité, l'atelier s'appelle la grigne de Gauthier quand c'est lui qui l'occupe. Quand c'est son confrère Vincent Tonglet, c'est le fourni du loup. Aujourd'hui, nous sommes 3 boulangers à l'utiliser et le collectif de temps à autre le week-end. Comme chaque boulanger, chaque pain est différent, ben on a chacun notre affinité, on travaille avec des matières différentes, on produit des pains différents. Et je pense que c'est ça qui fait toute notre richesse et notre complémentarité. La passion de la boulangerie est née pour Gauthier il y a 10 ans. Les partages d'expériences ont toujours balisé son chemin et aujourd'hui, les liens qu'il tisse avec ses confrères, mais aussi avec le meunier et l'agriculteur qui plante le grain pour lui, définissent le caractère de ses pains.
un pain artisanal avec de la farine bio. Je travaille uniquement au levain pour pouvoir produire un pain qui soit sain, nourrissant et bon, bien évidemment. Partager un atelier, c'est évidemment faire des économies d'échelle sur l'investissement de l'infrastructure. C'est aussi la possibilité de mettre à profit le reste du temps pour aller vendre sur les marchés et déposer les pains dans les points de vente. Mais c'est aussi avoir du temps pour rencontrer tous les autres acteurs du monde du pain. Je vais à la recherche de ces agriculteurs, je vais à la rencontre, discuter avec eux, comprendre comment ils cultivent la terre, quelles céréales ils ont choisies. Et en fonction, ben voilà, moi je crée, je m'adapte et je crée des pains différents. Quoi. Un pain différent, un boulanger différent qui produit à mi-temps et qui se lance dans l'aventure. Ben de ça, j'arrive à en dégager un revenu. Enfin, c'est le but, parce que pour l'instant, je suis sous couveuse entreprise. Et donc, en travaillant en direct, autant avec mon meunier et autant avec les clients, il n'y a pas de perte, je veux dire, de valeur. C'est tout du donnant-donnant, quoi. Avoir son propre atelier, sa propre boulangerie n'est pas du tout dans les projets de Gauthier, ni maintenant, ni à l'avenir. Non, c'est ici, avec d'autres, entouré d'autres. On est déjà un peu tout seul dans l'atelier, mais non, ici, ben voilà, on sent qu'il y a de la vie autour, au sein du village, mais aussi au sein de l'habitat groupé. C'est des projets qui coexistent et c'est important, c'est à plusieurs qu'on porte la vie. Voilà. Race for the Cure à Namur a rassemblé près de 4000 participants. Cette organisation vise essentiellement à sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein, un cancer toujours en progression chez nous. L'occasion aussi de refaire le point sur l'importance de la prévention et du dépistage. Race for the Cure est un événement sportif qui vise à sensibiliser la société sur la problématique du cancer du sein. Il est d'ailleurs en hausse en Belgique, même s'il n'est pas le plus mortel. Le cancer du poumon reste le plus dangereux et est aussi en hausse chez les femmes. Xingping organise cette course à Namur, à laquelle prennent part plusieurs hôpitaux namurois. L'occasion de refaire le point sur cet enjeu de santé publique. La question centrale concerne la prévention et le dépistage. Donc effectivement, le dépistage est organisé en communauté française à partir de 50 ans. C'est le dépistage systématique et organisé. Maintenant, on propose et on recommande, en fonction des antécédents personnels et familiaux de la patiente, un dépistage plus précoce à 40, 45 ans, effectivement, de façon individuelle. Ça, c'est en discussion avec le gynécologue, avec le généraliste, au cas pour cas. Le mammotest est un des moyens de dépistage, mais parfois il n'est pas suffisant. Il faut recourir à d'autres techniques, notamment à une échographie. Un certain nombre de cancers ne sont dépistés que sur base de l'échographie. Or, le projet du gouvernement est de ne rembourser que le mammotest, donc il se limite à la réalisation d'une mammographie. Et donc, on craint effectivement qu'un certain nombre de cancers qui ne sont dépistés précocement que par l'échographie, ben voilà, ils risquent éventuellement d'y avoir un certain nombre de cancers qu'on découvrirait plus tardivement. Ça fait encore l'objet de controverses. Maintenant, il faudra déterminer quelles sont les patientes qui sont éligibles pour un bilan sénologique complet ou bien uniquement pour le mammotest. En tout cas, il faut inciter les femmes à prendre part à ce dépistage à partir de 50 ans. C'est notamment l'objectif de ce jogging qui met aussi en lumière les victorieuses, les femmes qui ont survécu à ce cancer et à qui ce type d'activité fait du bien. Il y a une vie pendant, il y a une vie après et que c'est un combat qui vaut la peine. C'est plutôt ça. Maintenant, envie de se cacher, non. Cancer du sein, c'est un cancer qui est voilà, fréquent, on en parle de plus en plus et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que voilà, il y a une lutte encore à mener, il y a encore peut-être des mentalités à changer au niveau de l'INAMI, au niveau des remboursements, des dépistages, au niveau des suivis, au niveau du suivi psychologique après. Pendant et après, et que ben voilà, si on peut être un témoignage pour faire avancer les choses, ben quant à faire, allons-y. L'activité sportive est un bon moyen de prévention. En effet, le mode de vie est responsable aussi de la maladie. Une étude de l'OMS a d'ailleurs pointé que le Belge était le troisième plus gros consommateur d'alcool de l'Union européenne. Or, l'alcool constitue un facteur de risque pour un bon nombre de cancers. À ce propos, suggérons que pour la prochaine édition de cet événement, on bannisse l'alcool des buvettes. Profitons de l'occasion pour faire de la publicité pour un autre événement sur la même thématique qui se déroule le week-end prochain à la Citadelle. J'invite tout le monde à participer la semaine prochaine, le week-end prochain, sur l'esplanade de la Citadelle. C'est le relais pour la vie
qui est, comme dirait un de mes amis, un événement merveilleux du Namurois, où en fait on célèbre les patients qui ont lutté ou qui sont en train de lutter contre la maladie. Une maladie qui continue de progresser chez nous et qui doit nous mobiliser tous. La Gratiféria investissait pour la 7e année le foyer à Perouet, dans le Brabant wallon. C'était dimanche dernier. Le principe de cette foire gratuite, chacun amène des objets en bon état qu'il souhaite donner et repart avec ce dont il a envie. Le tout, je vous le disais, sans payer. Cette année encore, la Gratiféria a remporté un franc succès. Une gratiféria, c'est une donnerie en fait. Donc le concept est développé un petit peu dans toutes les régions et le principe c'est que les gens puissent amener des objets dont ils n'ont plus d'utilité et que ça puisse servir à d'autres quoi. Donc voilà, on est dans un cycle où on essaye d'aller un peu contre cette surconsommation générale. On a demandé aux personnes de venir tenir un stand, c'est-à-dire d'être plutôt comme sur une brocante hein, et de pas simplement déposer leurs objets et repartir. Alors ça met du temps à se mettre en place parce qu'il faut que le changement se fasse ou pas, on verra. Mais donc l'idée c'est vraiment ça, c'est aussi d'être dans l'échange entre les personnes et qu'il n'y a pas seulement ceux qui déposent et ceux qui donnent, mais voilà, qu'on puisse faire du lien entre les personnes. Et alors quel type d'objets on pouvait amener, on peut prendre ? Oh, bah, ça va des livres aux DVD, aux ustensiles de vaisselle. Il y a des très beaux objets, il y a des vêtements pour enfants, il y a des jeux pour enfants. Ça se passe comme ça. Et puis on aura encore une justement pour la gratiféria liée avec Saint-Nicolas. Et on fait une gratiféria aussi au mois de juin, plus en lien avec le potager partagé de Perouet, ou en tout cas on espère qu'il fera beau. La Belgitude à la cote décidément dans le monde de la mode. Depuis quelques années, de plus en plus de marques dédiées à la culture belge fleurissent chez nous et c'est le cas aussi à Jeanblou. Kim Reynaldsol a repris en 2017 la marque de vêtements La Patate.be, une boutique en ligne où les t-shirts et les sweatshirts font la part belle à l'humour et aux expressions typiquement belges. Rencontre avec le créateur. Des symboles, des clichés, des belgicismes, des faits d'actualité. Le t-shirt ou le sweatshirt est un support qui peut véhiculer un message. Donc ici, on est dans l'autodérision, dans le clin d'œil, dans le fier rapporté. J'ai envie que les gens aient un sourire, qu'ils gardent la patate et que leur tenue vestimentaire soit cool et détendue. On se prend pas la tête. De la création à l'impression, tout est réalisé dans cet atelier jeanbloutois. Le transfert sérigraphique et la technique utilisée, c'est pressé sous une température d'environ 165 degrés que les motifs s'impriment sur le tissu, du tissu 100% coton et labellisé Fairwear. La patate existe déjà depuis 10 ans, mais je l'ai repris il y a plus ou moins 2 ans et j'y ai remis une nouvelle impulsion en fait. Donc voilà, et c'est vrai que pour le moment je gère tous les aspects. Les t-shirts se sont créés à la commande en fait, donc je n'ai pas de stock, ce qui est un avantage, mais ce qui est effectivement un peu artisanal vu qu'on doit les produire systématiquement, enfin quand une commande arrive. Une collection homme-femme existe, même si le public cible de cette marque de vêtements en ligne est plutôt les hommes entre 30 et 40 ans. Le but de la patate est donc d'amener du noir jaune rouge dans sa garde-robe. Chicon est l'un des derniers modèles de la marque, affectionné tout particulièrement par son créateur. Le chicon qui est vraiment propre à la Belgique, parce qu'en France on dit une endive, et ici je détourne un logo bien connu, au lieu de champion, c'est chicon, donc c'est assez sympa. L'inspiration peut venir aussi des faits d'actualité, et là, enfin, la dernière actualité qui m'a assez perturbé, ce serait le retour de Kim Clijsters aux affaires tennistiques, et là j'ai bien l'intention de faire un petit quelque chose à ce sujet. Aujourd'hui, Kim Reynaldsol travaille seul. Les ventes se font seulement par Internet. Mais à l'avenir, le graphiste aimerait étendre sa marque, vivre uniquement de cet art et pourquoi pas la proposer dans sa propre boutique. Une maison de jeunes vient de voir le jour à Beaurain. C'est en soi une bonne nouvelle pour les jeunes de la localité car le projet est porté par deux enseignantes dynamiques et surtout très à l'écoute des jeunes.
L'ancienne buvette du foot de Beaurain est devenue depuis le début du mois la toute nouvelle maison des jeunes. 4 fois par semaine après l'école, les jeunes de 12 à 26 ans peuvent y trouver un accueil et des animations. Le projet est porté par 2 enseignantes bénévoles. Objectif, créer pour ces jeunes quelque chose de différent de l'école. On a eu envie d'avoir une structure différente qui est plus basée sur la créativité d'une part et sur vraiment l'expression personnelle d'autre part. On avait envie de demander aux jeunes qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Roxane et la co-animatrice Valérie ont présenté un projet complet à l'échevine de la jeunesse qui a tout de suite embrayé. Cette maison de jeunes, elle la souhaitait déjà vivement, le projet de l'installer à l'ancienne gare ayant dû être abandonné. On a eu envie de les suivre, on leur a fait confiance parce que leur projet y tenait la route et donc on espère que les jeunes vont suivre évidemment. Le projet des 2 animatrices prévoit 11 heures d'accueil réparties sur 4 jours. Pour se détendre, pour jouer, pour faire leurs devoirs s'ils en ont envie. Il devrait y avoir aussi très prochainement des ateliers. Photo, travail de l'éloquence et sport, mais aussi des activités plus ponctuelles. Par exemple, un vendredi, gestion du stress, ou une journée où ce sera échange de vieux vêtements pour conscientiser un peu à l'esprit récupération, ce genre de choses. Ici, le souhait, c'est que la maison des jeunes soit à l'image de ce que les jeunes eux-mêmes souhaitent en faire. On est là pour superviser, pour cadrer, etc. Mais c'est leur lieu. On a envie qu'ils s'y investissent et puis qu'ils donnent leurs idées et qu'à partir de ces idées-là, on puisse construire des choses ensemble. Mais c'est vraiment le but que ce soit leurs idées, leur lieu qui soient mis en avant. Pour ces premières semaines, quelques jeunes sont déjà des fidèles. Il faut dire que l'ancienne buvette du foot est un lieu de passage entre le terrain de foot, l'accueil extrascolaire, la plaine de jeux et le hall de sport. On a un peu des jeunes qui viennent de loin, qui regardent un petit peu. On va un peu les attirer aussi pour qu'ils viennent plus. Et puis évidemment, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook. On vient de faire une brochure qu'on va distribuer très bientôt. Donc on essaye de faire parler nous. Et je pense que le bouche à oreille fonctionne bien aussi. Donc. Pour obtenir une reconnaissance et prétendre à des subsides pour l'emploi notamment, la maison devra fonctionner comme telle pendant 1 an. Quoi qu'il arrive, la commune a toujours voulu monter une maison de jeunes aussi. Donc on soutiendra évidemment. En attendant, ici on est bien décidé à se retrousser les manches pour que ça marche. Et on va terminer ce journal en vous reparlant du FIF, le Festival international du film francophone, avec un portrait de cinéphiles qui ont suivi avec beaucoup d'attention la programmation. Et vous allez le voir dans ce reportage, comment la journée d'un couple de festivaliers peut être bien remplie. Cela fait 13 ans que Philippe et Dominique se rendent au FIF. Pour cette 34e édition, ce couple de passionnés a décidé de prendre une semaine de vacances dans la capitale wallonne. Avant d'accéder aux différentes séances, direction la billetterie et au programme du jour. Bien, on commence à 13h par le film Faïm. Ensuite, nous allons voir Monstre et nous finissons vers 18h15, je crois. Nous finissons avec Notre-Dame. Le FIF, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. Habitués du festival, Philippe et Dominique s'y rendent parfois entre amis. En général, on est toujours avec le même couple qu'on connaît bien et qui ont le même parcours que nous. Et voilà. De même qu'un autre ami namurois, donc on se voit 4, parfois 5 autour d'un verre, autour d'un film. Voilà. C'est parti pour le couple, direction le Delta pour le premier film de la journée, Faïm de Pierre-François Martin Laval. Philippe et Dominique se placent dans la file Tente ta chance. Le principe est simple. Si on décide de ne pas réserver ou bien si on a dépassé le quota, on va dans la file où, en fonction du nombre de places disponibles, on rentre ou on ne rentre pas. Mais on suppose qu'à 13h, on va rentrer. Philippe avait vu juste, ils sont les derniers à entrer dans la salle. De retour après 1h40 de film, petit débrief avec nos cinéphiles. C'était un film sympathique, je le qualifierais de sympathique. Plein de bons sentiments sur un thème difficile. Je trouve que les acteurs et les rôles sont très bien tenus. Et encore une fois, ça je répète ici, mais c'est vrai que le réalisateur, on l'avait vu au début, il avait bien annoncé la couleur en disant que voilà, il voulait sensibiliser non pas les adultes, mais la tranche de génération montante. Et je pense que là, il y est arrivé.
Mais effectivement, il y avait un peu de pathos. La journée n'est pas finie. Direction le caméo pour le second film de la journée, Monstre de Marius Olteanu. D'après ce qu'on a vu, le résumé, c'est un petit peu un film sur la crise de la quarantaine et les problèmes jusqu'où va l'amour, laisser passer, partir l'autre par preuve d'amour. Voilà, le thème nous a séduit. Le couple terminera sa journée avec le film Notre-Dame de Valérie Donzelli. Pour ces amoureux du cinéma, le FIF, c'est une véritable passion. À leur actif, plus de 150 films depuis qu'ils viennent au festival. Et voilà, on referme ici samedi en plus. Merci de l'avoir suivi et je l'espère, on vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même jour, même chaîne. Excellente semaine à vous tous et toutes. Au revoir.